Et salut les viewers, c'est Marcus Bonus, c'est bon ça marche. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Skies. Donc chers amis, du coup rien à recharger, oui je me doute un petit peu que c'était un peu trop facile, c'est tout rechargé comme ça. Ok, nous faisions des recherches de langue de mémoire, et oui nous tombons encore une fois sur ce genre de choses. Ok, on va reprendre le vaisseau, on va s'envoler un petit... J'ai vu un gros truc en l'air. D'accord, maintenant c'est des Meurs, meurs charogne. Meurs charogne. Merde, je vais l'avoir perdu. Ouais, je l'ai perdu. Et bref. Il y a un truc qui brille au sol où j'ai rêvé là. J'ai cru voir un truc clignoter bleu. Allez, descends s'il te plaît, merci. J'ai cru voir un truc... Ouh, c'est quoi ces bestioles? Ah bah oui, je me suis... Bonjour. Qu'est-ce que tu es à la base? Tu manges de la végétation, d'accord. Ok, et ici c'est donc... ce plan déjà connu, d'accord. Tir accéléré de taux. Ok. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Brouteur. Bon bah ça va alors, dans ce cas-là, il n'y a pas trop de... d'éléments hostiles dans la zone. C'est quoi ce truc? De l'oxyde de fer? Bah dis donc. Ok, donc ça c'est le machin. Ok. Il est gros quand même. Hein. Oh la belle bête, comme on dit, hein. Oh la belle bête. Bon. Ah bah en plus, d'accord. Tiens, mange mon plutonium. Mange mon plutonium, j'ai dit. Voilà. Crac. Plutonium. D'accord. Donc j'ai une chier de fluide de suspension qu'il faudrait que je transforme en ça. Hop. Ok. Ensuite, il me faudrait du zinc à foison. Et pour cela, je pense qu'on doit devoir aller se poser quelque part. Parce que le zinc, je ne sais pas du tout. Je ne me rappelle plus du tout comment qu'on en trouve. On se pose. Hop. Enfin, un petit scan, un petit coup de scan, pardon, une fois qu'on se sera posé. Scan. On n'est pas justement ça. Ça me semble vachement loin, cela dit. Alors, qu'est-ce que c'est? Du platine. Non. Non, je crois que le zinc, c'est pas du... J'ai vu une bestiole qui a voulu m'agresser, apparemment, quelque part. Qui, apparemment, est sous le caillou. Bah bien, je t'attends, moi. Apparemment ça veut pas hein. Et quand ça veut pas, vous connaissez l'expression, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Bon, on y va, on monte. Hello. Alors du zinc. Fer. Fer. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher. Bon. Ça qu'est-ce que c'est? Fer. Plutonium, ça je prends parce qu'avec tout ce que j'ai gaspillé là tout à l'heure. Ça c'est quoi? Du fer. Plutonium. Hop. Parfait. Et sinon à part ça je crois que le jaune ça peut être du zinc aussi. On va aller voir vite fait la zone. Bonjour. Oula. On est passé des choses là dedans. Nous ne voulons pas d'une autre rave party intergalactique, comme dirait Zed dans Men in Black. Bon. Et sinon, à part ça, l'entrée de ce truc, c'est par là. Ok. Bon. Yo! Ah, lire l'encyclopédie. Vous avez appris le mot écho en Corvax. Cool. Écho, écho. Dispositif, bouclier au maximum, parfait. Et ici, donc, la technologie de multi-outils. Nouvelle technologie. Tir rapide. Réduit au minimum le temps de refroidissement nécessaire entre deux tirs du lance-foudre et accroît simultanément la vitesse de production interne de plasma. Du lance-foudre, hein. D'accord, donc c'est bien une amélioration d'armes, littéralement. On n'a pas de place, j'imagine. Cependant, est-ce qu'on a... Alors, du coup... Ouais, j'ai pas suffisamment, j'ai un 8 emplacements, c'est pas suffisant, il me faudrait plus comme, comme armement. On va quand même aller chercher le point de sauvegarde. Oui, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié que je peux envoyer les données pour me faire quelques crédits, hein. Je m'en souviens. Ne vous en inquiétez pas. Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est?
Du zinc, tiens donc. Donc vous voyez, le jaune en fait, ça peut tout aussi bien être du zinc. Donc ok, c'est ça qu'on va chercher alors. On est un petit peu au-dessus apparemment, on va y aller. Tant pis, hein, on va gaspiller un petit peu de carburant, mais écoutez. Drôle de bestiole au-dessus là. Et honnêtement, elles ont pas l'air elles ont pas l'air gentilles comme on dit. Tu es quoi? Imperturbable. D'accord. Étrange. Étrange. Base. Oh la sale bête. Carbone, tiens, bah bim. Plus de carbone. Hop. La grosse fleur. Crac. Carbone. Donne-moi du zinc encore, s'il te plaît, merci. Le platine, je récupère au passage. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces arbres? On va appeler ça des arbres. Est-ce que ça donne du zinc, peut-être? Soyons fous. Non, du carbone. Non, non, c'est... Oh, du jaune, là-bas. Qu'est-ce que c'est? Du titanium. Bon, bah, on va récupérer, alors. Hein. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas, je lis vos commentaires, chers amis, hein, mais... disons que souvent je les oublie pratiquement aussi sec. M'avait dit qu'il faut que je fasse attention à mon espace dans mon inventaire. C'est pour ça que je prends tous les trucs d'inventaire possible et imaginable. Elle m'avait parlé aussi des minerais, lesquels minerais je pourrais vendre et ceux que je ne pourrais ne pas vendre. Mais je pense que ça, en fait, on verra entre guillemets le moment venu. C'est-à-dire quand j'aurai un nouveau truc, et si j'ai suffisamment de sous, un nouveau par exemple multi-outil, si j'ai suffisamment de sous, je l'achète, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je vais pas me faire du mal, on va dire. Ok, j'aurais pas été trop loin dans mon... Ah bah voilà, c'est ce que je disais. J'ai cru voir du jaune aussi là-bas. Ah, il y a un temple là-bas aussi. On va revoir ça tout de suite de toute façon. Ok, il n'y a pas grand chose. L'encyclopédie, non, c'est le stock, donc on aura des crédits. Et là, nouvelle technologie, grenade rebondissante. Oui, bah pour l'instant, c'est pas les rebondissantes qui m'intéressent. Par contre, les autoguidés étaient chercheuses, j'avais bien aimé moi. Là, j'imagine que ça va être encore du titanium. Hop, il y a des ralentissements depuis tout à l'heure. Comment se fait-ce? Tu me diras, j'ai aussi l'impression qu'il y a une grosse amélioration de la densité des objets. Ce qui en soi me plaît, hein. Ouf. Quoi? Tu veux te la mettre? T'es où? T'es là. Merde. Avec le bon truc. Voilà, merci. Non. Hop, merci. Crac. Nous disions donc. Plutonium. Tiens, bouffe. Hop. Ok. Plutonium. Non, pas comme ça. Comme ça. Hop. Hop. Quoi? Déjà? Hop. Non, c'est parce que j'ai touché autre chose. Ok. Non, c'est pas le fer qui m'intéresse. Mais le fer à 10 sous. C'est pas cher. Ok. Fer oxyde. Oh, il y a du jaune là-bas. Je vais y aller. On y va à pied, c'est pas grave. Oui, je sais que j'ai... Allez, 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 c'est bon. Crac. Oh merde. Casse-moi ça. Oh non, je vais pas m'amuser à casser ça, c'est pas grave. Hop, titanium, d'accord, mais c'est pas ça que je cherche. Ouh, le titanium, la poison, là. Aha. Me dis pas que je l'ai cassé. Ce serait con. Ce serait véritablement con. Hop. J'envoie tout ce que je peux envoyer, à vrai dire. On verra bien. Aussi, j'ai du platine aussi sur moi. Ah, puis en plus, il y en a dans le vaisseau, donc ça peut être une bonne idée. Voilà. Ah, puis j'ai cassé le gros de platine en fait. Ça, c'est de l'or. Ah,
Ça, c'est bien ça. Hop, merci. Par contre, du coup, c'est pas ce que je cherchais du tout. Hein. Là, pour le coup, comme on dit, j'ai pas l'air fin. Hein. Je veux du jaune là-bas. J'espère que c'est pas un gros truc dehors. Allez, cours. Non, c'est une plante. Une des fameuses plantes jaunes pleines de zinc. Ok. On en est où au niveau de... Merde, je suis con. J'en ai suffisamment en fait. J'en ai suffisamment pour en faire un petit peu. Mais le problème c'est que je suis trop loin du vaisseau, j'imagine, pour faire le reste. Bah écoutez, on va y aller. Oula, l'accélération était loupée. Voilà. C'est vraiment un petit coup à prendre. Attendez, on va essayer. Voilà. Aïe. Je me suis cassé au moins 3 tibias. Mais ce n'est pas grave. Plutonium, donc non, ça va. Ok. Ok, on devrait être assez proche maintenant. Hop, qu'est-ce qui me manque? Plus d'iridium. Forcément. Jamais tout ce qu'il faut. Bon, on a visité ce truc-là au moins? Ça me dit vaguement quelque chose. Oui, on l'a visité. Le point de sauvegarde, il est où? Il est là. Il va falloir qu'on voit aussi pour les nouveaux vaisseaux. Pour un nouveau vaisseau. Le problème, c'est que vous m'avez expliqué que plus j'opterai pour un vaisseau de cargaison, hein, avec de la cargaison, moins il sera performant au niveau du combat. Ce qui en soi ne me plaît pas. Soyons honnêtes. Mais bon. Il faudra fuir, c'est pas grave. On fuira. Transmission, du coup. Donne-moi l'emplacement d'un vaisseau, s'il te plaît. On l'a vu apparaître au loin, le machin, ouais. Balise détectée. 3 minutes 25. C'est pas loin. On va refaire une. Est-ce que je peux, tout simplement... Merde, j'ai... Oh, j'ai viré tout mon fer comme un abruti. Ben oui. Je croyais que j'étais en train, en fait, de le renvoyer au vaisseau. Je suis planté de touche, littéralement. Hop. On le donne. Hop, oh bah là il y a du fer là. Et le fer à tout faire. Je regardais mon armure où est-ce qu'elle en était, mais. Elle en prend plein la poire, hein, la pauvre. Voilà. Hop. Allez, vas-y, donne. Voilà. Ok, donc voilà. Hop. Hop. L'objectif, c'est d'en faire plein. Hein. On va essayer de trouver un vaisseau avec un emplacement supplémentaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à avoir un vaisseau suffisamment important pour pouvoir transporter plein de choses. Et donc, être à même de l'améliorer à fond, tout le transmission, donc c'est pas ce qu'on recherche. Ah oui, c'est vrai. Faut que j'en reconstruise une. Crac. Hop. T'es sérieux quand tu dis tempête en approche là ou pas? Ou c'est juste histoire de me faire du mal? Oh putain. Allez, dépêche-toi. 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 Oh là là, mon armure est en train de. Mon bouclier est en train de descendre à fond. Autrement dit, je suis sur le point de crever. Allez, je suis joueur. Personne ne pourra me dire le contraire. Hop. Je suis joueur. Je suis joueur. Transmission. Hop. Balise détectée. Observatoire. Ah, j'ai vraiment pas de bol, hein. Je n'ai vraiment pas de bol. Bon, là, on va se rentrer parce qu'on n'est pas fou non plus. Ouvre la porte. Merci. Ok. Bon, alors déjà, là. Voilà. Là. Carbone, ça va faire du bien, voilà. Ici, on fait le plein. Ici, on fait le plein. Ah, j'en suis pas encore. Ah oui, j'en suis pas encore aux cellules distorsion. Je suis con. Hop.
Voilà. Crac, c'est bon, je suis trop fort. Le voilà, et le voilà. Parfait, je suis plein, littéralement. Dans tous les sens du terme, je suis plein. Ok, platine iridium. Je peux peut-être envoyer le platine que j'ai sur moi, non? J'ai déjà tout donné. J'ai pas fait du caca, on est d'accord, hein? Non, c'est bon. X, c'est bien pour transférer, oui, c'est bon. Ouh. Oh, j'ai eu un doute. Ce serait bien qu'il y ait un bouton pour tout trier. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, on va retenter d'abord. D'abord, on referme. Voilà. Déjà. Voilà. Ça met dans l'ambiance. Hop. Alors, retransmission. On va chercher un vaisseau. On cherche un vaisseau, chers amis. Donc, toutes les balises, on va les faire. Absolument toutes les balises. Tour de transmission, on a vraiment pas de bol. On a vraiment pas de chance. Ok. Hop. Allez, allez, allez. Tu peux le faire, Marcus. Tu peux le faire. Alors, verdict. Oh putain. Allez. Donne-la moi. C'est où? T'es là. Hop, c'est bon. Wouhou! Bon, transmission. Allez. Allo, 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 allo. Y a-t-il un vaisseau qui s'est crashé avec un occupant qui est en train de crever? Observatoire détecté. Non, apparemment ce n'est pas ça. Pas moyen de les faire par paquet de 10, les machins. Ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien. Allez, transmission. Parce qu'en plus, la balise qu'on a trouvée pour l'instant... Oh mais merde. La balise qu'on a trouvée pour l'instant, ça pourrait très bien être une balise pour un simple truc endommagé là. Hop, allez, allez, faut trouver plusieurs balises. Au moins 3. Allez, allez. En plus, c'est pas comme si l'animation était longue. Balise! Oui! 2! Allez, 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 allez! Hop! Allez! Allez! Balise! Et non, observatoire, dommage. J'aurais voulu la balise qui était justement là, elle a disparu aussi. Oh non! Non, fais pas ça! Ne me dis pas que tu as fait disparaître la balise! Ça se trouve, il y a qu'un certain nombre de trucs qui peuvent être affichés à l'écran, et... enfin affichés sur la planète, et du coup, en fait, il me les supprime au fur et à mesure là. Balise détectée, non. Bon. J'ai au moins 3 balises du coup là. D'accord. On est bien d'accord. Une. Deux. Et 3, c'est bon. Hop, pour moi. J'ai ce que je cherchais. Donne-moi plutonium. Donne-moi plus de plutonium. Merci. Plutonium, c'est bon. Allez. Allez, fuck le plutonium. Non, j'ai plus qu'à trouver de l'iridium. Pour pouvoir continuer à faire mes trucs, là. Ok, les balises. C'est parti. Hop. C'est bon. Commence par celle-là. Ça vous va? Allez, tourne. Allez. Allez, appuie. Allez! Ce sera, à mon avis, pas un vaisseau vu l'endroit. Ah bah non, c'est juste une balise. Allez, vas-y, allume-toi. Point de passage. Beacon! Trop cool! Oui, un truc que j'avais déjà, merci. Bon, je sens que les balises, on va les avoir dans le cul aussi. Mais bon, et c'est pas comme si c'était la première fois, n'est-ce pas? Un gra-gra! Hop. C'est ce truc-là qui fait ce bruit-là? D'accord. Dès que je me tourne, elle fait du bruit. Ok.
ici, non, je ne peux rien faire. Ok. Vaisseau. Vaisseau, c'est bon. Vu comme ça, il est stylé. Hein. Ok, allez, décolle. Voilà. Ok, allez, direction les autres balises. Mais j'ai l'impression que les balises, en fait, sera toujours la même chose. Hop. Et si c'est le cas, je fais une pause entre les deux épisodes pour regarder véritablement comment trouver un vaisseau. Allez. Les vaisseaux spatiaux, en fait, c'est lent dans la vie. Hein. Ok, on y est presque. Je pousse une dernière fois et je me pose. Allez, pose-toi. On a, mon sac est plein, c'est ça que t'es en train de me dire? Mais non, mon sac n'est pas plein. Donc ce n'est pas l'inventaire de ça. Ah si, le sac du vaisseau était plein, c'est ça? Ouais. Ok, balise, juste là. Et c'est encore une fois une simple balise, hein. Pas un vaisseau cassé. Hop. Bon, bon, bon. J'étais à 5. C'est un peu ça, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je crois qu'il y a de l'iridium juste à côté de moi, ce qui serait juste parfait. Juste à côté du vaisseau, je crois qu'il y a de l'iridium. Ce serait magique. Oui! On est bien en... Ouais, parfait. Hop. Ok, maintenant l'objectif. De grimper dedans. Hop. Hop. Enfin, de grimper dessus plutôt. Hop. Voilà. Crac. Hop. Ok. Ça se passe assez bien. Bon, on a récupéré beaucoup d'iridium d'un seul coup là. Ça, c'est une bonne chose. Pour en faire plus. Parce qu'il nous manque du zinc cette fois-ci. Ok. Ça me va, hein, ça me va. Personnellement, ça me va. Je vais juste récupérer un petit peu plus de... Hop. Là, si vous n'avez pas compris, en fait... J'ai simplement creusé ce que j'avais en dessous. C'est-à-dire que là, en fait, je suis à bord, littéralement, à côté du vaisseau, normalement. Le vaisseau... Il est là. Je cherchais un petit peu, là. J'étais en stress, mais merde, j'ai pas détruit. Au passage, qui sait. Ok, donc, la dernière balise, la troisième balise, et si on ne trouve pas, bah écoutez, j'irai chercher autre chose. Bon, voilà, nous sommes en vitesse maximale pour l'instant. En tout cas sur cette planète, hein. C'est-à-dire que nous avons posé le boost. Le boost. Le boost. Ok. Et on y est. Il me semble pas avoir vu... de grande tige, mais je viens de la voir, donc c'est bon. Ce n'est pas grave. Donc. Donc. Faudra que j'aille sur le wiki de No Man's Sky, c'est un truc de fou. Ok. Oh, le petit truc de flotte juste au milieu, là, ce serait juste pour le fun, je vais aller le voir. En plus, on a l'impression qu'il y a une petite plage juste à côté. Oui, oui, bah écoute, si tu le dis, hein. S'il y a un abri là, j'ai envie de te dire, si tu le dis. Ok, donc c'était plus ou moins par là. Oh, le vaisseau va être tellement loin. C'est pas grave. Bah c'est juste ici en fait. C'est moi qui me faisais du mal pour rien. Ah c'est tout. Ah putain, de haut on a l'impression que t'as vraiment un joli truc. En fait non, t'as juste une flaque. C'est le coup de la flaque. Oula, t'énerve pas bonhomme. Violent.
Mangeur de viande. Bien s'il me semblait, t'as un problème avec moi, toi. T'as un problème? Tu veux qu'on se la mette? Non? Bon, je préfère ça. Ok, tellement de points et si peu de choses intéressantes. Je vais véritablement avoir besoin de d'aller passer sur le wiki du jeu. Parce que l'astuce, je l'ai bien comprise. Après, est-ce que j'ai compris les affichages et les panneaux? C'est pas dit. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut pas trouver un dernier petit truc, un petit truc à faire là, un truc sympa. Hop. Ça casse pas. Si, ça casse en plus. Genre un. Tiens, bah le premier qui vient, voilà, celui-là, l'abri. L'abri qui est là. Hop, on y va. Il y a quelqu'un dedans, en plus ça va être rigolo. Ça commencera bien l'épisode. Bon. En plus avec un peu de bol, autour de l'abri, il y aura un truc de transmission. Voilà. Ah, attends. Voilà. Garde-moi sur la station. Oui. Non. Eh merde. Ah, j'aurais bien aimé. Dommage. Bon. Eh bien écoutez, on va faire une petite sauvegarde ici, chers amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous avez pas le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.